Si vous nous recevez, mesdames, messieurs, une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est une édition spéciale que nous vous proposons aujourd'hui avec un homme, M. Bernard Bueno, qui est le président du Club 2002 Pur. C'est un parti de la majorité présidentielle au Congo-Brazzaville qui a eu des difficultés, notamment à ses 10 ans, puisque son président, M. César Wilfried Nguesso, avait décidé en fait de le dissoudre. Mais le parti renaît aujourd'hui de ses cendres. Partons de la social-démocratie aujourd'hui à la démocratie chrétienne. Nous allons, en fait, avec ma collègue Vanessa Nguema, questionner M. Bueno pour savoir aujourd'hui les nouvelles ambitions de son parti et surtout comment ce que lui, en tant que président de la Fédération France, lit cette actualité congolaise, que ce soit là-bas au pays ou encore ici au sein de la diaspora. Bernard Bueno, vous êtes donc membre du bureau politique au secrétariat permanent du Club 2002 Pur, chargé de la diaspora, et vous présidez la Fédération France-Europe pour ces partis. Alors, vous avez tout à l'heure fait une déclaration solennelle. À l'issue de cette déclaration, ma collègue et moi-même, Vanessa Nguema, allons vous interroger pour comprendre avec vous ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous nous parliez déjà de cet anniversaire du Congo, donc 57e anniversaire, aujourd'hui 28 septembre, mais aussi vous évoquez votre parti qui a eu pas mal de péripéties, aujourd'hui se retrouve, il va mieux. En compagnie de ma collègue Vanessa Nguema, à qui je vais donner la parole. Donner la parole à Vanessa. Merci, Sir Mokoso. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Le pays qui fête aujourd'hui ses 57e anniversaire de la République est passé dans une sombre période. On parle des campagnes, des référendums, des manifestations sanglantes, la validation de la nouvelle constitution, l'adoption de la nouvelle République. Quel est votre sentiment face à tous ces événements qui se sont passés? Oui, merci d'être venu parmi nous, messieurs et madame de la presse. Sur votre question, ma réponse, elle ne sera pas mitigée, mais directe. Vous savez, dans toutes les démocraties, quand on apporte quelque chose de nouveau, généralement, il y a toujours eu un dialogue ou bien un débat antagoniste, où chacun défend sa position, que ça soit la majorité, que ça soit l'opposition, le but des uns et des autres, c'est de faire évoluer la démocratie. Et dans une démocratie, surtout que nous sommes en France, si nous faisons du droit comparé, les éléments comparés entre les institutions des pays, comme on dit, occidentaux et les nôtres des pays du tiers-monde, je dirais que nos pays, tout naturellement, nous sommes jeunes par rapport à la démocratie, nous apprenons. Et le regret est de savoir que le refus absolu des uns et des autres nous emmène vers une gangrène sociale de la population. Donc, c'est un regret. Ce qui est sûr, en tant que, je dis bien, démocrate, démophile, aimant faire la politique, je pense que nous devons, tout Congolais, de quelque bord politique, être à l'écoute de l'autre. Au fait, nous ne sommes pas des ennemis, mais plutôt nous avons des positions politiques opposées. Mais le dialogue en lui-même ramène vers un consensus. C'est un processus. Et dans ce processus-là, il y a beaucoup de divergences qui peuvent par la suite emmener vers la convergence des idées. Donc vous appelez à un dialogue avec l'opposition radicale, parce que le Club 2002 aujourd'hui fait partie de la majorité présidentielle. Mais le dialogue, il y a toujours le dialogue. L'opposition radicale ou pas, elle est représentée à l'Assemblée nationale, elle est représentée au niveau du Sénat. Quelque part, s'ils ont des élus et des représentants, ça veut dire... Il n'y a pas qu'un langage monologue de la majorité, mais c'est un dialogue, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire on écoute également l'opposition, tout comme la majorité. Alors, Bernard Bueno, vous écoutez l'opposition, vous écoutez la majorité. On va revenir sur votre parti, en octobre 2002. Vous avez évoqué dans votre mot liminaire tout à l'heure que ce parti a connu des problèmes. Il est passé de la social-démocratie à la démocratie chrétienne aujourd'hui. Alors, c'est quoi le plus, en fait, aujourd'hui, sur le plan idéologique, que cette chrétienté apporte à votre parti? Alors, merci, Sir Makoso. Le grand plaisir est à moi de vous retrouver.
Parce que quand on a eu des moments difficiles, de turbulences, votre support télévisuel nous avait été très favorable pour un entretien et nous avons émis nos positions. Et aujourd'hui, s'il y a eu un passage de la, disons, entre deux idéologies, je dirais, voisines, où on met toujours l'homme au centre de tous les intérêts de parti, et on s'est dit, pourquoi ne pas se focaliser, puisque nous sommes des démocrates sociaux, essayer de trouver aussi une place pour plus ou moins les gens qui sont aussi croyants, qui pensent que y a un devoir divin, un devoir divin, et que par rapport à l'orientation plus ou moins politique de notre structure, on s'est dit pourquoi pas lors du congrès de 2014 d'aller vers les démocrates chrétiens. Pourquoi un plus? Parce que nous croyons en Dieu et nous croyons également à l'homme. Parce que si nous prenons les grandes institutions, nous prenons que ça soit ici, que ça soit aux États-Unis, tout comme en Italie, nous avons vu la place des démocrates chrétiens par rapport aux institutions, par rapport à beaucoup de choses, parce que nous, nous souhaitons rester plus dans cette orientation que d'aller vers d'autres orientations. Est-ce que la nouvelle vocation de votre président, César-Louis-Philippe Guessot, a une influence pour que vous arriviez en fait à cette démocratie chrétienne, en fait, pour que vous adoptiez cette démocratie chrétienne, puisque son départ ou le fait qu'il ait voulu que le parti puisse disparaître, c'était déjà parce qu'il rentrait dans une nouvelle vocation qui était la vocation chrétienne, notamment devenir pasteur. Est-ce que cela a eu un impact ou une influence en fait sur ce qui est arrivé après? Merci. Je tiens à vous rappeler que vous devez savoir que notre président de parti, Guy César Wilfried Nguesso, a commencé à prier avant même que ne soit créé ce parti, qui était d'abord une association, et il y a eu l'arrimage en parti et ce que nous sommes. Alors, si dans notre intérêt, pour tous nos militants que nous voulons garder et que nous ne voulons pas qu'ils soient, ces militants partent de partout, pourquoi, pas que lui, pourquoi pas ne pas trouver un juste milieu pour que nos militants ne partent ailleurs. Évidemment, quand je dis non-militants, parce que M. Nguesso est d'abord militant du club 2002 et par la suite président de cette structure. Alors que ce soit lui, que ce soit les autres militants qui partaient, on a essayé de redéfinir notre politique. D'ailleurs, ça ne gêne rien, c'est notre président. Hein? C'est notre président. Nous n'avons pas voulu son départ, nous voulons qu'il reste. Bien, à nous aussi et à lui aussi de s'adapter à l'orientation de notre parti. Revenons, parlons du bilan aujourd'hui du club de Bilbao, qui va fêter prochainement ses 14 ans. Quel a été le bilan de cette année? Nous sommes pratiquement en fin d'année. Quel est le bilan de la Fédération France du club de Bilbao? Alors, merci, Madame Guéma. La Fédération France-Europe, donc du club 2002, avait dans sa stratégie 2014 était synonyme de rehausser la place de la femme au niveau de notre parti. Donc la politique du genre et parité était en primauté. Pourquoi en primauté? Parce que lors de l'anniversaire de la journée de la femme, ici même, dans cette salle, au même endroit comme vous dites, il a été lancé et créé le cercle de réflexion des dames du club 2002. Et ça, à l'époque, à titre de rappel, notre fédération ne comptait que 2 femmes. Aujourd'hui, nous en avons à peu près une vingtaine. Et dans une vingtaine, au niveau du conseil national, nous en avons à peu près 5. Donc on peut dire, plus ou moins, par rapport à nos objectifs, nous avons plus que atteint nos objectifs. Au fait, 2015 était consacré pour l'émergence
de la femme du club 2002 par rapport à sa fédération. Alors, Anna Bruno, quand on lit les fonctions qui sont les vôtres, hein, vous avez la charge de la diaspora au sein du club 2002. Or, vous connaissez très bien qu'aujourd'hui, l'actualité de la diaspora est assez agitée. Déjà, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cet environnement de la diaspora congolaise ici en France, que vous connaissez très bien, puisque vous êtes un vieux militant politique? Quelle est d'abord votre lecture avant que je ne vienne, en fait, une question plus précise? Ce qui est bien par rapport à la diaspora, on se rend compte que tous nos compatriotes s'intéressent à notre pays, notre Congo, notre très cher Congo. Tant mieux, c'est bien. Évidemment, dans la diaspora, généralement, beaucoup plus, les gens sont dans des associations, d'autres dans des groupes politiques, que ce soit plus avec des affinités avec la majorité, tout comme l'opposition. Évidemment, comme je l'ai dit, on s'intéressait à l'émergence, à l'épanouissement même socio-économique de notre pays. Donc, tout regard, toute intervention de la diaspora envers le pays est une chose positive. Alors, je ne sais pas s'il y a une question qui suit. La question qui suit, c'est que déjà, on va analyser avec vous un phénomène. Question du combattant. Vous êtes ici, je pense que par rapport à votre expérience, vous savez très bien qu'on n'a jamais assisté à autant de violence dans l'histoire politique congolaise ici en France. Or, aujourd'hui, ce sont les biens et les personnes qui sont atteints. Est-ce que vous, au niveau Club 2002, quelle lecture faites-vous déjà de cette situation? Et si vous avez peut-être une réponse à apporter ou à proposer, en fait, puisque les hommes et les femmes aujourd'hui qui manifestent sur les rues de Paris, qui cassent ou encore qui violentent des personnes, c'est des gens qu'on peut croiser tous les jours, que ce soit dans les lieux communs des Congolais. Oui, bon, c'est regrettable justement, quel que soit la position des uns et des autres quand on utilise la violence. Ça, c'est bon, on n'est pas du tout d'accord. Cependant, combattant ou pas, politique ou pas, associatif ou pas, notre devoir d'homme politique, c'est d'être à l'écoute des uns et des autres. Savoir et connaître pourquoi les gens sont arrivés à avoir des positions aussi fermes, des positions quelque part brutales, les écouter, discuter, dialoguer. La preuve en est, on parle du dialogue. Dans une famille, quand un enfant est mécontent envers ses frères, quand il y a le papa, il cherche à savoir pourquoi, au lieu de mater, de corriger. Bon, si ces combattants pensent qu'ils ont des raisons justes et valables, à nous, hommes politiques, d'écouter et de savoir transmettre le message au bon endroit et au bon moment. C'est ce que je pense. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont nos amis, ce sont nos grands frères. Est-ce que ça vous dépasse, je veux dire, vous mettre vous, les politiques? Surtout ceux qui sont passés par Magenta, parce qu'on se souvient qu'il n'y avait pas cette violence. Quand vous parlez de Magenta, dans Magenta, il n'y a pas que Magenta. Il y a eu Magenta, le Flinch et autres. Parce que c'est, comme vous dites, vous parlez des jeunes. Donc c'est une autre génération, une autre mentalité. Les gens de Magenta, pour la plupart, malgré la position politique, nos amis qui étaient à l'opposition, je dis nos amis et nos frères, nous nous rencontrons pour des échanges politiques. Ou encore, c'était aussi des frères de famille, hein, mais ils avaient leur position politique. Bon, on n'avait pas cet instinct, comme vous dites, de casse, mais moi, les structures des jeunes-là, je ne les connais pas. Peut-être vous qui êtes journaliste, vous connaissez mieux que moi. Alors, je pense aussi, vous, journaliste, vous avez ce devoir-là d'éducation. Vous avez aussi, non seulement vous avez la neutralité, mais une question qui a un bon sens vous fait aussi ramener l'homme. L'homme a trouvé un bon sens, que ce soit un jeune ou bien un combattant, je ne sais quoi, ou bien un ex-combattant, je ne sais pas comment. Parce que le combat politique, généralement, ce sont les idées. Dans le combat politique, très souvent la violence paye mal. Parce qu'aujourd'hui, vous m'agressez. Mais si tout autour de moi, j'ai des enfants assez âgés ou comment, ils disent, notre géniteur a été agressé, nous devons répondre, voyez-vous? Donc, c'est pas bon. À vous aussi, les journalistes, d'avoir aussi cette pédagogie de respect des uns et des autres.
beaucoup plus. Vous ne pensez pas que c'est aux politiques d'aller vers les jeunes et essayer de discuter, parce que tout à l'heure vous avez parlé de dialogue. Je pense que c'est aux politiques d'aller vers ces jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand vous dites aux politiques d'aller vers ces jeunes, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas eu de foi, de contact avec les hommes politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité? Vous le savez mieux que nous. Oui, récemment, il y a le maire de Brazzaville qui s'est entretenu avec certains jeunes disant combattants. Ah bon? Pour, justement par rapport à cette violence. Et toujours en parlant du club 2002, et quelle est votre démarche? Vous avez dit qui a vu. Bon, moi, je suis pas, en toute sincérité, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas où ça s'est passé. Et je ne sais. À Paris où? Je ne sais pas. C'était le 18 novembre au Sofitel. Au Sofitel? Donc, vous connaissez ces jeunes-là? Hein? Vous connaissez ces jeunes? Ils sont sur la place publique, il faut bien les connaître, bien Bueno. Mais si vous pouvez nous citer ces jeunes-là, ça ne serait pas mal. Mais ce qui est sûr, bon. De toutes les façons, vous, tout à l'heure, vous avez posé la question en disant que l'homme politique devait aller vers l'homme politique devait aller plus vers à l'écoute et même discuter avec ces jeunes ou comment des combattants, vous donner une preuve. Ben alors donc ça veut dire quelque part aussi l'homme politique écoute. Vous avez parlé du député maire de Brazzaville, qui c'est qui? Ah, monsieur Ngolondele, d'accord. Mais ce qui est sûr, s'il a fait cette démarche, ben c'est une bonne démarche. Et aussi, je suis sûr, les combattants ont dû donner une manifeste, quand je dis un document écrit, une déclaration, si vous voulez, de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas par rapport aux institutions du pays. C'est pas mal, c'est une démarche que je trouve bien. Pour le dialogue et pour l'entente. Bernard Bueno, votre parti aujourd'hui est en première ligne du côté de Brazzaville, et pourtant on vous entend très peu à Paris. La majorité présidentielle existait à Paris, on entend le PCT, et pourtant les autres partis, la majorité, sont très peu dans l'actualité politique. Est-ce que en 2016 vous changerez de stratégie, ou encore si ça fait partie de votre action? Alors je souhaiterais que vous me posiez cette question il y a 2 ans. Auparavant. Parce que, vous savez, nous qui avons l'expérience de Paris, vous avez parlé de Magenta, nous avons côtoyé Magenta, c'est pas une course de la majorité. Si nos amis du PCT se sont présentés, ou bien sont omniprésents au niveau de la presse, tant mieux. S'ils ont pu faire une déclaration que nous pensons que c'est bien, mais pourquoi aller rajouter la deuxième déclaration? Nous allons vous dire, quand nous avons lancé la Nouvelle République en 2014, d'autres partis frères n'étaient pas dans ce concept, n'étaient pas plus ou moins, ils étaient un peu, comment je vais dire, moins alertes, ils étaient inertes par rapport à ce que nous pensions. Ça, ce sont des éléments de plus ou moins de comparaison. Ça, vous m'avez parlé du PCT, ça c'est leur stratégie, mais je peux vous poser la question. Il y a une année, ils étaient où? Ou il y a 2 ans? Je peux vous proposer. Donc, chaque parti a une ligne à suivre. Les déclarations, si déjà au niveau du bureau national, donc Brazzaville, a pris une orientation, mais pourquoi la fédération qui fait partie de cette direction, du parti, va se mettre en exergue? Non. Soyez-en sûrs, nous sommes regardants. Et puis, nous pensons qu'à l'avenir, comme c'est un conseil, on va voir comment aussi. Soyez-en sûrs, la place de Paris, nous ne sommes pas absents. Mais on a une stratégie et à tout moment, on sait comment être en avant. Il y a aussi un problème de moyens. Une dernière question, oui, juste pour la route. Un candidat 2016, déjà? Comment? Un candidat? Par rapport à notre parti? Oui. Non, notre parti, on aura un congrès, on aura une position. Évidemment, si on a un candidat dans notre parti qu'on peut élever, ça serait pas mal. Bon, si, c'est ce que je dis, parce que
Nous sommes encore en 2015, dans un mois et demi, plus ou moins dans un mois, nous serons en 2016 et le secrétariat permanent de notre parti, tout comme le bureau politique, sous consultation de nos militants, on aura peut-être une vision sur les élections à venir. Merci Bernard Bueno de nous avoir accordé ce petit moment. Merci aussi à Valentin Nguema qui a pris le temps de pouvoir accompagner avec moi ce moment d'échange. J'espère que 2016, comme 2002, sera une surprise. Oui, mais merci encore parce que le fait qu'on s'est retrouvé, soyez-en sûrs, 2016, nous serons toujours là et que notre fédération partira de l'avant et nous pensons que le nombre que nous avons actuel de notre fédération va grandir et avec un effet multiplicateur, sera plus grand. Merci. Merci à vous aussi.